ce spectacle, Alexis Pelletier ne le raterait pour rien au monde. Le Kilimandjaro au petit matin. Ah, c'est joli, regarde. Ce jour-là, l'horizon est dégagé. Image exceptionnelle du plus haut sommet d'Afrique. Le pied du Kilimandjaro fait 80 km de long. Sa hauteur, 5895 mètres. Sur le Kilimandjaro, il y a les trois types de volcans. Et le nom des principaux, c'est le Mawenzi, le Kibo et le Shira. Intarissable sur la montagne étincelante. Alexis Pelletier survole cette région depuis 1988. Depuis le jour où il a décidé de changer de vie. Fini les défilés du 14 juillet, les réveils au clairon. L'ancien garde républicain ne regrette rien. Ici, au-dessus du parc Amboseli, on le comprend mieux. Une réserve naturelle de près de 400 km². Dans cette savane, on croise toutes sortes d'animaux, des girafes, des éléphants, des buffles. Un véritable balai. Mais depuis quelques années, cette faune est menacée. En dessous de nous, il y a des groupes d'éléphants qui vont vers le marécage d'Amboseli. Amboseli a quand même beaucoup souffert de la sécheresse de cette année. Il y a énormément de mammifères qui ont été décimés et aussi quelques éléphants. Là, maintenant, les éléphants sont en train de se refaire une santé car il y a de l'eau à profusion et une herbe bien drue pour le moment. Il y a eu ces dernières années, il y a eu des sécheresses à répétition. Alors, dû au surpâturage avec les animaux domestiques, le bétail, la nature n'a pas le temps de récupérer entre deux sécheresses. Donc les impacts sont de plus en plus graves. En 2009, 10 longs mois sans une goutte de pluie, le territoire Maasai a été frappé de plein fouet. Cette région, Alexis la connaît bien. À chaque fois qu'il y revient, les Moranes, les jeunes Maasai, sont là pour l'accueillir. À quelques kilomètres de la piste de l'aérodrome, Emangulai, un village qui n'existait pas il y a encore 5 ans. Odi, odi. On voit bien les enclos. Les enclos sont vides, quoi. C'est les enclos à animaux, il n'y a plus de vaches. On voit même à l'odeur, il y a des enclos à chèvres. Le petit chevron. Au pays des Maasai, rien n'est plus tout à fait comme avant. Ça va? Et toi? Comment va ton fils? S'il reconnaît chacune d'elles, Alexis sait aussi que ses femmes ont changé. Depuis 2005 et les sécheresses à répétition, leur mode de vie a évolué. Elles se sont sédentarisées. Le village compte une centaine de personnes. Autour, pas de dispensaire, pas d'école. Le premier point d'eau est à 2 ou 3 kilomètres. Une petite heure de marche. On voit que les enclos sont pas très, très pleins. Parce que le soir, ils mettent leurs animaux dans les enclos pour les protéger des prédateurs. Mais on voit que... Ici, les prédateurs, c'est les grands animaux? Oui, prédateurs, c'est tous les carnassiers. Hein. Il y a quand même pas mal de léopards, il y a du lion, puis il y a les hyènes aussi. Donc c'est protection, que ça s'appelle ça, avec les branchages des épineux qui sont assez redoutables. Alors cet épineux, il l'appelle le Gojaki Dogo, parce qu'il a des épines comme des hameçons. C'est-à-dire que quand on met la main dedans et qu'on essaie de la retirer, ça se referme. Et Gojaki Dogo, ça veut dire « attends un peu ». Automatiquement, il faut, pour enlever la branche, il faut pousser le bras à l'intérieur et tirer et enlever le bras. Si on ne prend pas le temps de faire ça, on ne s'en sort pas. Depuis toujours, pour ces bergers, le bétail est la seule raison de vivre. Peuple nomade,
ils marchaient jusqu'à 40 km par jour avec leurs troupeaux. Guerriers redoutés, ils étaient prêts à tout pour protéger leurs vaches, leurs moutons et leurs chèvres. Aujourd'hui, avec la dernière sécheresse, il ne reste plus rien ou presque. Où étaient vos vaches ? Ici. Où ? Ici, là. Et combien en aviez-vous ? 20 à moi. Plus 30 à 50 vaches au total. Maintenant, c'est fini, elles sont mortes à cause de la saison sèche. Quand est-ce qu'elles sont mortes exactement ? De juillet à septembre. En octobre, elles étaient toutes mortes. En théorie, les Maasai occupent un territoire aussi longtemps que le bétail peut s'y nourrir. Combien de temps vont-ils rester après une telle hécatombe ? Combien de temps, alors qu'ils n'ont plus de quoi vivre ou survivre ? Malgré leurs prières, leur dieu Ngaï, dieu de la pluie et du ciel, ne s'est pas manifesté. Vous redoutez maintenant la prochaine sécheresse ? Oui, nous avons peur de la prochaine. Nous n'avons plus rien à acheter. Nous n'avons pas d'argent. Et le gouvernement vous aide-t-il ? Personne ne nous aide. Personne ne nous donne de l'argent. Nous avons une vie dure par ici, mais peut-être qu'on nous donnera de l'argent. Et je pourrai en racheter d'autres. La vie est impossible sans vaches. La disparition du cheptel, un drame aux conséquences multiples et parfois surprenantes. Là, on voit le torchis des murs. C'est fait avec des branchages tressés, de la boue, de la cendre et de la bouse de vache. Et comme en ce moment, il y a moins de bouse de vache, comme là, c'est de l'ancienne pour faire l'étanchéité. Il me met du crottin de chèvre maintenant. Ça résiste moins bien à l'eau quand il y a moins de bouse de vache. Là, on voit bien que la fibre est différente que celle-là. Depuis des siècles, le lait, le sang et parfois la viande des vaches constituent la base de l'alimentation des Maasai. Depuis la dernière sécheresse, ils ne mangent plus que cette mixture. Voilà. Du porridge à base de maïs. Au pied du Kilimandjaro, les guerriers Maasai attendent des jours meilleurs. Au pied du Kilimandjaro, un peuple présent depuis la nuit des temps se consume à petit feu. Les autorités kényanes vont-elles réagir ? Jusque-là, ce drame se joue à huis clos. Mais jusqu'à quand ? Dans cette région aux confins du Kenya et de la Tanzanie, en moins d'un an, une part importante du cheptel a disparu. Ces conditions climatiques extrêmes n'ont pas épargné les animaux sauvages. Que ce soit en Bosseli ou plus à l'ouest, à Maasai Mara, tous les parcs nationaux ont souffert. Les éléphants, les buffles, les zèbres, les lions. Des dizaines d'espèces ont été victimes de malnutrition ou de déshydratation. Les rangers chargés de la lutte contre le braconnage n'ont rien pu faire contre ce terrible fléau, qu'est la sécheresse. Voilà ce qu'il reste d'un éléphant de près de 6 tonnes. Les rangers vont découvrir des dizaines de carcasses comme celle-ci. Combien d'éléphants ont succombé ? Plus de 300 selon des estimations des rangers.
Au total, ce sont des dizaines de milliers d'animaux sauvages qui sont morts. Il est 6 heures du matin. Tana. Vous dormez toujours avec les éléphants ? Yes. Oui. On passe la nuit avec eux car nous devons les nourrir. Environ toutes les 3 heures. Ils sont comme vos bébés. Ouais, c'est ça. Nous sommes dans la ferme de la Fondation Sheldrake. Créée en 1977, elle n'accueille que des bébés éléphants ou rhinocéros. Ces animaux ne sont pas là par hasard. Leur mère est morte pendant la sécheresse. À Sierra Tango, tuko hapa kwa maziwa watu watano. Edwin travaille ici depuis 11 ans. C'est le responsable de l'équipe de soigneurs dédiée aux éléphantaux. Une trentaine de personnes qui, par roulement, restent jour et nuit avec ces bébés de 100 kilos minimum. Certains sont arrivés ici alors qu'ils n'avaient que quelques jours. Edwin n'a jamais eu autant d'orphelins, signe que la situation est critique. La pire période, c'était l'année dernière. Septembre, octobre, novembre. C'était vraiment mauvais. Tout ça à cause de la sécheresse. La plupart de ces bébés sont arrivés parce que leur mère est morte de malnutrition, à cause de la sécheresse. À ce moment-là, nous avions 31 éléphants, tous orphelins. C'est la pire sécheresse que nous ayons connue. Et vous êtes pessimiste pour l'avenir parce que vous allez avoir de plus en plus de sécheresse? Oui, nous sommes pessimistes pour les années à venir. Le climat change et devient imprévisible. Nous ne savons pas ce qui va arriver l'année prochaine. Le climat n'arrête pas de changer. Si on continue à subir les sécheresses, la situation va s'empirer. ...24 litres de lait pour les plus grands. 36 pour les plus petits. Sans ces soins particuliers, ces éléphantaux ne pourraient pas survivre dans la savane. Pas plus que ce bébé rhinocéros. Il est arrivé ici il y a plus d'un an. Il n'avait alors que 2 jours. La sécheresse est aussi un grand risque pour les rhinocéros. Oui, la sécheresse est un grand danger pour les rhinocéros. Celui-là était trop petit pour suivre sa mère. Elle l'a donc délaissé. Il peut être vraiment dangereux. Oui, de temps en temps. Les rhinocéros sont souvent agressifs et imprévisibles. Il ne faut jamais leur faire confiance. Ils sont vraiment imprévisibles. Aujourd'hui, ce qui inquiète le plus Edwin, c'est qu'avec la sécheresse, la cohabitation entre animaux sauvages et humains devient de plus en plus tendue. Les hommes sont de plus en plus nombreux. À présent, les animaux et les êtres humains se battent pour l'espace qui reste. Ils se battent aussi pour la nourriture, pour l'eau. Exactement. Les réserves naturelles, ces sanctuaires pour la faune, ne sont donc plus à l'abri. L'urbanisation gagne sans cesse du terrain au Kenya. Edwin tient à nous le montrer. Donc vous voyez au loin toutes ces maisons. C'est ça le problème majeur. C'est une zone qui appartient aux animaux sauvages.
C'est la route de migration du parc de Nairobi ou d'Amboseli vers les lieux de pâture. Mais toutes ces zones ont été investies par les êtres humains. C'est pourquoi vous voyez toutes ces constructions là-bas. Les gens cultivent et les animaux ne peuvent plus migrer. C'est pour cela qu'avec l'augmentation des conflits entre les animaux et les hommes, il y aura plus d'animaux orphelins. And resulting to the young ones becoming orphans. Dans quelques mois, Edwin rendra à la nature ses orphelins qui auront atteint l'âge de 2 ans. Ils seront relâchés dans le parc d'Amboseli. Un parc situé juste à proximité des villages Maasai. Et de ces moranes, ces guerriers qui ont toujours vécu en symbiose avec la faune sauvage. Les animaux n'ont jamais été leur ennemi. Mais la situation peut se dégrader. Les Maasai, malgré les incitations du gouvernement, refusent dans leur grande majorité de changer de mode de vie. Autour du Kilimandjaro, rares sont ceux qui ont accepté de troquer leur bétail contre un lopin de terre. Sur les pentes de cette montagne mythique, il y a pourtant des centaines de fermes. Pour les créer, la forêt a été défigurée. Des centaines d'hectares ont été rasés. Une déforestation, conséquence dramatique pour les neiges éternelles du Kilimandjaro et de ses glaciers. Depuis 20 ans, les pluies diminuent de près de 35% en moyenne. Moins de pluie, moins de neige, donc moins de glaciers. En un siècle, on le voit sur cette photo satellite, la calotte glaciaire a régressé. Un retrait de plus de 80%. Kunia, le chef du village, Maasai, a 78 ans. Il se souvient. Quand j'étais jeune, c'était les plus belles années. Je veux dire par là que les pluies étaient plus abondantes. Mais ces dernières années, ça va mal. Tout va de travers. Il ne pleut pas assez. Ce qui fait que le glacier change. Il devient de plus en plus petit. Sa taille dépend des pluies. Et comme leur niveau baisse, sa taille rétrécit. Des 20 km carrés mesurés en 1912, les glaciers ne représentent plus aujourd'hui qu'un kilomètre carré. Des photos ont fait le tour du monde. Celle-ci a été prise en 1993, celle-là en 2000. Des images qui montrent le retrait du glacier. Des images chocs qui ont fait du Kilimandjaro l'icône du réchauffement climatique. Mais n'est-ce pas là un mensonge planétaire? La réponse, nous allons la trouver à l'université de Nairobi. L'équipe du professeur George Kaiser est la seule à étudier les glaciers du Kilimandjaro et du mont Kenya. Ce jour-là, ils présentent leurs conclusions devant des professeurs et des étudiants en climatologie. Graphiques, preuves à l'appui, ils démontrent que l'augmentation des températures n'a rien à voir avec la disparition du glacier du Kilimandjaro. Le Kilimandjaro n'est pas un symbole des changements climatiques. Il est dans un environnement très froid et sec. Il suit donc des règles particulières qui empêchent les glaciers de réagir aux changements locaux de température. Une icône est quelque chose de simple habituellement. Le Kilimandjaro n'est pas simple, il est très complexe à comprendre. Dans son exposé, il explique les phénomènes complexes qui agissent sur la fonte du glacier. Mais il insiste encore une fois, l'augmentation des températures n'est pas en cause. Deux fois par an, depuis 2005, il organise des expéditions sur le Kilimandjaro, ou comme ici sur le mont Kenya. Difficile à imaginer, mais nous sommes à moins d'une heure en voiture de l'équateur, au cœur de l'Afrique. Les glaciologues posent des sondes pour mesurer l'épaisseur de la glace qui, année après année, fond de façon vertigineuse. D'autres instruments enregistrent la vitesse du vent, la température. Toutes ces données seront analysées et comparées. Mais pour le glacier du mont Kenya, un constat s'impose.
Le Mont Kenya est un bon symbole pour le réchauffement climatique. Si vous voulez. Mais il ne sera pas très longtemps un bon symbole. Prenez n'importe quel glacier, prenez Argentière, prenez n'importe quel glacier dans les Alpes françaises. Ce serait un meilleur symbole. Pour Georges Cazère, dans 20 ou 30 ans, les glaciers du Kilimandjaro et du Mont Kenya auront bien disparu. Pour les tribus Maasai qui vivent au pied de ces montagnes, c'est surtout le berceau de leur civilisation qui se meurt. Leur disparition signerait la fin d'un mythe et d'un mode de vie. En Afrique, le Kenya est considéré avec l'Afrique du Sud comme l'un des pays les plus dynamiques économiquement. Mais les changements climatiques révèlent une autre réalité. Nous partons plus au nord, au Turkana. Les nuages sont prometteurs, mais le mal est déjà fait. À perte de vue, le bush et ses rivières de sable. Ici, l'eau n'est plus qu'un lointain souvenir. Un souvenir enfoui à près d'un mètre de la surface. Chaque jour, ces femmes raclent le sol pour trouver un ou deux litres d'une eau saumâtre, à peine potable. Chaque jour, au lever du soleil, elles sont des centaines à parcourir des kilomètres dans la brousse pour remplir leurs bidons. 10 litres dans le meilleur des cas, à peine de quoi tenir la journée. Comment vivre ici? Comment survivre après la dernière sécheresse, la pire qu'ait connue la région depuis 50 ans? Été 2009, la famine frappe durement le Turkana. Près de 4 millions de personnes sont touchées. Pour tous, chaque jour est une lutte contre la faim, une course contre la mort. Aujourd'hui, les stigmates sont encore visibles. Ce moment-là, ces femmes l'attendent depuis longtemps. Depuis un mois, autant dire une éternité. Un mois depuis la dernière distribution de nourriture. Après avoir apposé leur empreinte, elles peuvent prétendre à quelques kilos de maïs. Un sac de riz, un bidon d'huile. Les quantités dépendent du nombre de bouches à nourrir. Jézékel Dida supervise ces distributions. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, cette huile, elle est où? Elle est là. Quoi? Vous allez vous partager ça? Mais il n'y en a presque pas. Eh oui. Ici, les familles s'entraident. Cette solidarité leur permet de résister aux fléaux qui s'abattent chaque année sur elles. Sécheresses exceptionnelles, mais qui n'ont rien d'inattendu. Celle de 2009 était annoncée. Dans cette région, abandonnée des autorités kényanes, il n'existe aucun moyen d'atténuer le drame. Les distributions sont parfois tendues. Nomades comme les Maasai, ces populations ne vivent que de leurs troupeaux. Ces 3 dernières années, la sécheresse a décimé des centaines de milliers de têtes de bétail. Ce berger de 45 ans a tout perdu. Mmh.
Ce vieil homme dit qu'il vient de loin, de Loima, où il vivait il y a 6 ans. Après avoir tout perdu, il s'est inscrit ici. Et depuis, chaque mois, il reçoit de la nourriture. Et avec cette nourriture, il a pu économiser pour acheter 2 chèvres. Parce qu'il pense que sans chèvres, il ne peut plus être un Turkana. Comment rester indifférent à ce peuple qui survit dans l'un des environnements les plus hostiles au monde? Ici, nous sommes au milieu de nulle part. Aucun panneau n'indique ce lieu. Aucune carte routière n'y fait référence. Après avoir erré de longues journées, Regina s'est installée là. Lors de la dernière sécheresse, elle a aussi perdu son troupeau, son unique richesse. Dans ce coffre, toute sa fortune, ses papiers d'identité et rien d'autre. Elle ne possède aucun meuble. Je n'ai plus de mari. Quand il a vu qu'on n'avait plus rien, il a décidé de partir. Maintenant, je suis seule, toute seule, avec mes enfants et mes petits-enfants. La région vit sous perfusion internationale. Sans l'aide et le soutien du PAM, le Programme alimentaire mondial, des dizaines de milliers de familles seraient mortes de faim. Nous sommes à Lodwar, dans l'un des hangars du PAM. Des milliers de tonnes de nourriture sont stockées ici. Elles proviennent des États-Unis et d'Europe. Au pire moment de la sécheresse au Kenya, près de 4 millions de personnes dépendaient de ces distributions. Aujourd'hui, dans le reste du pays, la situation s'est un peu améliorée. Mais au Turkana, 3 personnes sur 4 attendent encore l'arrivée des camions des Nations Unies. Les équipes de l'ONU ne se déplacent jamais sans une escorte armée. Zone a priori dangereuse. Elle nous emmène à une 50 kilomètres de la ville de Lodwar. Elles veulent nous montrer l'un de leurs programmes les plus symboliques. Au milieu de la brousse, l'école de Kalobei. Les enfants sont regroupés pour le chant patriotique et la lecture de la Bible. Les cours ne commencent jamais avant ce rassemblement. Après la dernière sécheresse, les effectifs ont été multipliés par 5 ou 6. Il y a 723 élèves de 4 à 18 ans pour seulement 8 instituteurs. La raison pour laquelle nous gardons ces enfants, c'est qu'ici, c'est un site pour les enfants d'éleveurs, car leurs parents et les animaux bougent tout le temps, d'un endroit à l'autre. Pour cette raison, les enfants sont internes. Ils vivent à l'école 3 mois, et ensuite, dès que l'école ferme, ils sont 3 mois avec leurs parents. Dans le pays, l'école est officiellement obligatoire. Mais comment obliger des parents à se séparer de leurs enfants? Des enfants qui n'attendent pas leur majorité pour travailler. Qu'est-ce que c'est? Thank you, Sita, and welcome to Standard 7. Thank you. Environment is divided into two parts. Dès l'âge de 5 ans, ils s'occupent normalement de leur bétail. Mais avec la dernière sécheresse, 90% de leurs troupeaux ont été décimés. Un mal pour un bien, les parents les ont inscrits dans cette école où l'on apprend aussi à mieux s'adapter au changement climatique. Ces élèves sont en première ligne. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous n'avons ni eau, ni nourriture. Mais à présent, nous allons à l'école. Et on a droit à beaucoup de choses. De la nourriture et aussi de l'eau. L'année dernière, vous étiez avec vos parents dans la savane.
Nous n'avions pas d'eau ni de nourriture là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas plu. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez eu une sécheresse l'année dernière ? Pourquoi ? Non, je ne sais pas. C'est la volonté de Dieu. Il apporte la pluie et la sécheresse. C'est ainsi et je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le climat est du côté de la sécheresse. Nous devons donc planter des arbres et ça changera le climat. Apprendre le ventre plein. Une idée simple, mais qui fait la force de ce programme des Nations Unies et du gouvernement kényan. Logés, nourris, ces enfants pourront un jour prétendre à un autre métier que celui de berger. Chaque jour, tous les enfants ont droit à deux repas riches en protéines. Ces enfants vont à l'école à présent. Ils préparent leur avenir pour qu'après l'école, ils puissent être embauchés, qu'ils soient capables de subvenir à leurs besoins, mais aussi pour qu'ils aident leurs parents. Une assurance vie en quelque sorte. Mais le directeur de l'école sait mieux que quiconque qu'il est difficile de changer les mentalités des Turkana. Bergers ils sont, bergers ils resteront. Cette phrase va résonner tout au long de notre voyage dans la région. Sur la route, nous croisons de nombreux bergers, armés d'un fusil ou d'une AK-47, une Kalachnikov. La situation est tendue, mais pourquoi ? Nous allons le comprendre plus loin. Allez, descendez, descendez ! Allez ! Allez, descendez ! Nous sommes avec les hommes du sergent de Goa. Contrairement à la Somalie ou au Sud-Soudan, les pays voisins, le Kenya n'est pas en proie à la guerre civile. Dans cette zone, chaque policier est sur le qui-vive. Nous sommes à la recherche de nos ennemis. Mais qui sont vos ennemis ici ? Nos ennemis, ce sont les bandits qui volent les chèvres, les vaches et d'autres animaux encore. Ce sont les Pokots. Et vous savez, cette terre appartient au Turkana. Et les Pokots volent des chèvres et des vaches au Turkana ? Oui. Mais pourquoi ? Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est leur habitude, leur culture. Mais les Turkana vont là-bas et volent aussi. Donc on essaie de défendre les deux tribus pour qu'elles ne se pillent pas les unes les autres. Ici, voler le bétail est un sport national. En période de sécheresse, les attaques de part et d'autre sont de plus en plus fréquentes. Vous organisez souvent ce type d'opération ? Ah oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que nous voulons aider les Turkana et les Pokots. Parce que ces deux peuples sont kényans. Nous voulons qu'ils cessent de se voler mutuellement. Cette opération peut être dangereuse ? Oh oui. Les Pokots sont bien organisés. Ils viennent à 50 hommes avec des armes. Et ils séparent leurs troupes en groupes. Et ils tuent vraiment. Si vous en rencontrez et qu'ils ne vous connaissent pas, ils vous tueront les premiers. Combien de victimes dans cette guerre ethnique, dans cette guerre pour le bétail ? Impossible de le savoir. Nous sommes ici à la frontière entre deux régions kényanes. D'un côté, l'ethnie Turkana. De l'autre, les Pokots, qui sont également présents en Ouganda. Des communautés qui, comme les Maasai, sont convaincues que leur dieu respectif leur a demandé de s'occuper de leurs troupeaux.
Ici, le bétail constitue la seule richesse, la seule monnaie d'échange et par-dessus tout, la seule religion. Un Turkana, un pocote sans vache, est un homme mort. Alors, les éleveurs défendent leurs biens. Le gouvernement, malgré les entraînements auxquels nous avons assisté, délaisse cette région. Les armes circulent librement. Ici, à Kainouk, la population s'organise seule. Un téléphone portable, un fusil mitrailleur. Cet homme surveille le moindre mouvement suspect. Les pocotes ne sont pas loin, juste de l'autre côté de la rivière. La police locale dispose de peu de moyens. Le commandant Motillé ne peut que répertorier sur ce grand cahier les derniers raids. Rien de plus. Dans cette localité, il n'y a pas de prison. Il y a deux tribus pour qui c'est une tradition. Pourquoi ? C'est la seule propriété qu'ils possèdent. Ils ne font pousser ni maïs ni haricots. Ils ne comptent que sur leurs troupeaux. C'est pour cela qu'ils craignent le moment où ils n'auront plus de bétail, car ils n'auront alors plus rien. Les troupeaux valent plus à leurs yeux que l'argent. Nous allons là-bas comme si nous allions à la guerre. C'est la guerre ? C'est la guerre. Bien sûr, quand on les trouve, on les combat. Nous ne perdrons pas de temps, on les combat, on défend les habitants. Là aussi, le commandant Motillé et ses hommes vont tenter de nous montrer qu'il existe une véritable volonté pour mettre un terme à cette situation. Mais les effectifs sont insuffisants. Alors, ils recrutent localement. Cet homme a-t-il droit de porter une arme, Motillé ? Oui, il appartient à la KPR. C'est un réserviste de la police du Kenya. Il nous aide à réduire le nombre de crimes. Ces réservistes nous aident à traduire les dialectes. Ils peuvent plus facilement obtenir des informations quand un raid se prépare. Ils sont donc autorisés à porter une arme afin d'assister la police et réduire ainsi la criminalité. Depuis quand les gens ont-ils des armes ici ? C'est à cause des pays voisins où les gouvernements sont instables. L'Éthiopie, le Soudan, l'Ouganda. Dans ces conditions, les armes circulent facilement. La vie des pocotes dépend du bétail. Ils obtiennent ces armes par différents business, parfois aussi en les récupérant auprès d'autres tribus. Le commandant Motillé nous emmène dans la zone la plus sensible, là où les confrontations sont les plus nombreuses, les plus meurtrières. Les pocotes sont situés de ce côté. Ce côté appartient au Turkana. Ça, c'est le point d'eau où la plupart des conflits se déroulent, car tous viennent ici pour abreuver leur bétail. Ici, il y a des soldats et de l'eau, 12 mois sur 12, même lors des pires périodes de sécheresse. Le lendemain matin, nous ne rêvons pas. En face de nous, de l'eau à profusion. Nous sommes au lac Turkana, que l'on appelle aussi la mer de Jade. 400 km de long sur 60 de large. Autour de ce lac d'eau salée, la vie s'organise. Ce sont des villages de pêcheurs. Une reconversion réussie ? Pas vraiment. Personne n'a choisi de débarquer ici, à Kalokol. Paul Hélène a 35 ans. Il est pêcheur depuis 2006.
Avant, il vivait de l'autre côté du lac, à la frontière avec l'Éthiopie. Il était berger. Les policiers n'étaient pas aussi présents qu'à Kainouk. Trois de ses frères ont été tués. Du jour au lendemain, il a dû fuir avec sa femme et ses enfants. Je viens du nord du pays, d'où j'ai dû fuir à cause des raids lancés par les Éthiopiens. Nous subissions les attaques tous les jours. L'autre explication de mon exil, c'est la sécheresse. Elle a eu raison de ce qui restait de mon troupeau. Père de quatre enfants, Paul n'a pas trouvé d'autre moyen pour nourrir sa famille. De toute façon, tant qu'il n'aura pas récupéré un troupeau, il sera considéré par ses pairs comme un paria. Ainsi va la vie des Turkana. Avant de quitter cette région, les responsables du Programme alimentaire mondial veulent nous montrer qu'il ne faut pas désespérer. À une cinquantaine de kilomètres du lac, un chant résonne. Ce sont des paysans heureux. Premier sourire depuis des jours. En plein désert, ces Turkana ont créé un champ de maïs, puis un autre. Un miracle pour ces éleveurs qui ne peuvent vivre sans leur troupeau. Aujourd'hui, ce sont des dizaines de familles qui, grâce à un système d'irrigation, peuvent désormais cultiver et se nourrir. Pour survivre dans ce désert, les Turkana vont-ils devoir se reconvertir? Les Nations Unies y croient. La preuve, dans la région, ils multiplient les projets de ce genre. Projets encore embryonnaires, mais porteurs d'espoir. Turkana, Pokot, Maasai, il y a une quarantaine d'ethnies au Kenya et 38 millions d'habitants sur un territoire aussi grand que la France. Mais il n'y a que 17% de terres cultivables. Des terres concentrées ici au nord de Nairobi, dans cette zone qui apparaît en vert. Ce sont les seules régions du pays où la sécurité alimentaire est aujourd'hui assurée. Et encore. Nous sommes à Kisumu, sur les rives du lac Victoria, à l'ouest du pays. En ce jour de printemps, pour tous les paysans, une seule question importe. Une question de survie. Est-ce le meilleur moment pour préparer leur champ, pour semer? Faut-il le faire aujourd'hui, demain, dans une semaine ou dans un mois? Une erreur dans les prévisions et c'est une nouvelle catastrophe humanitaire. Dans cette région, 80% de la population vit de l'agriculture. Pour répondre à cette question depuis des générations, les paysans s'en remettent à ces hommes, les Ngani. On les appelle les rainmakers, les faiseurs de pluie. Ils posséderaient un pouvoir secret, celui de prédire le climat. Comment? Nous les avons suivis. Leurs méthodes peuvent surprendre. Je peux prévoir que l'on aura une bonne saison, car le ciel est dégagé. Il a l'air pas mal. Les nuages sont prometteurs, ils feront du bon travail. Je suis content et rassuré. Les nuages sont l'un des indicateurs, mais ils ne sont pas les seuls. Attentifs au moindre indice, ils observent la nature, les plantes, les arbres, le chant des oiseaux ou le coassement des grenouilles. Le climat des prochains mois est écrit, disent-ils. Il faut juste le décrypter. Ces plantes sont parfaites. On en a assez pour le rituel. On va pouvoir commencer. Un rituel qui restera un mystère.
les Ngani ne sont guère bavards. Leurs techniques peuvent, comme ici, paraître un peu loufoques. Cela nous permet de savoir si la météo sera bonne ou non. Ce rituel est important, car il va permettre de prévenir les paysans que la pluie va arriver. Comme ça, ils pourront semer. Il n'en dira pas plus. Ce pouvoir mystique, c'est le gagne-pain du clan. Les secrets se transmettent de père en fils. Rien n'est écrit. Nous n'aurons droit qu'à une seule confidence. Elle est livrée du bout des lèvres par un autre membre de la famille des Ngani. Notre pouvoir vient de Dieu. Nous prions Dieu pour qu'il nous guide et nous conseille sur ce que l'on peut dire. Vous avez ce pouvoir de vos ancêtres ? Depuis le 14e siècle. Quand notre arrière-grand-père a acquis ce pouvoir. Et depuis, il est transmis de génération en génération. Leurs prévisions sont-elles crédibles ? Pour le savoir, nous nous rendons à Masséno, un village situé juste sur la ligne de l'équateur. Dans ce minibus, des scientifiques. Ce sont des experts de la météo et du climat. Pour la deuxième année consécutive, ils rencontrent les faiseurs de pluie. Est-ce la confrontation entre deux mondes ou un dialogue entre communautés aux approches différentes? Okay, good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous nous rencontrons pour la quatrième fois. La famille Ngani prédit les saisons des pluies depuis des années et des années avec leurs connaissances traditionnelles. Aujourd'hui, les scientifiques font la même chose en utilisant d'autres méthodes. Très vite, on comprend que ce sont les spécialistes qui sont demandeurs. Ils veulent travailler main dans la main avec le clan. Les Ngani écoutent. Là encore, ils observent. Pour gagner leur confiance, le docteur Gilbert Houma et ses équipes parlent longuement. Les réunions s'enchaînent. Les experts livrent leurs prévisions, chiffres et graphiques à l'appui. Quand on regarde ce qui se passe, on peut clairement voir que cette année débute avec des orages, ici et là. Les années que nous avons choisies comme référence, parce qu'il y a des similitudes avec les prévisions, sont celles de 2007 et de 2003. La crédibilité des services de météo dans cette région est très faible. Les gens ne nous croient pas. Ils pensent que nous mentons. C'est une relation gagnant-gagnant. De notre côté, nous gagnons en crédibilité parce que les communautés croient en eux. Et de leur point de vue, c'est une forme de reconnaissance internationale et nationale. Et croyez-moi ou non, dans de nombreuses conférences où nous sommes allés, on s'intéresse de plus en plus à ces vieux sages. Le monologue se poursuit jusqu'au moment où le porte-parole d'Ngani sort enfin de son mutisme. Surprise, les informations révélées par les satellites, les ordinateurs et les travaux des experts ne diffèrent guère des prévisions des vieux sages. Les résultats consensuels seront communiqués dès le lendemain à la population. Tout autour du lac Victoria, ce sont plus de 4 millions de personnes qui attendent ce moment, un événement. Ce soir-là, nous aurons un avant-goût des prévisions. L'orage gronde. À une heure de route du berceau familial du président Barack Obama, Kimira, le village de la famille d'Ngani. La cérémonie tient ses promesses, c'est une fête. Les chants, les danses, les discours tentent d'abord de sensibiliser les paysans au changement climatique. L'enjeu est important.
La dernière sécheresse a là aussi laissé des traces. Aujourd'hui, les savoirs scientifiques et traditionnels se combinent pour mieux lutter contre ce fléau. Vous êtes prêts à participer à la cérémonie des faiseurs de pluie? C'est à vous de décider. Mais sachez que l'on doit se concentrer sur les paroles des experts climatiques. Ils nous enseignent les bonnes méthodes pour l'agriculture et la santé, alors suivez bien leurs instructions. Ok, in March, April, May and June. Ce sont les autorités qui révèlent les prévisions pour les mois qui viennent. Annonce en anglais. En Swahili, les langues nationales. Et en Luhya, l'un des dialectes de la région. Il va pleuvoir. Chaque discours est accompagné de conseils pour semer et utiliser les bons engrais et surtout économiser cette eau qui pourrait un jour manquer. Le climat de demain ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Ils doivent prendre conscience que, quelles que soient les méthodes qu'ils utilisent pour prédire le climat, ce qu'ils font aujourd'hui ne sera pas viable demain. Notre conseil, c'est de s'adapter. Ainsi, ils pourront survivre demain. Car s'ils ne font rien, demain, ils ne seront plus là. Ce projet est une première au Kenya et en Afrique. Pour ses promoteurs, il pourrait se développer dans toutes les communautés où il existe des faiseurs de pluie. Sur le continent, ce n'est pas ce qui manque. Certes, ce type d'initiative ne réglera pas la question liée au changement climatique. Il montre toutefois qu'en Afrique, la collaboration entre des mondes bien différents peut améliorer parfois la situation. Au Kenya, en 2010, le gouvernement a lancé un plan global de lutte contre les effets du réchauffement climatique. Les autorités veulent fédérer toutes les forces impliquées dans cette lutte. La volonté existe, mais les moyens manquent cruellement.